le Homo ecologicus que nous attendons, ça ne peut pas être un être soumis. Il est forcément libre. Il vit forcément dans une démocratie. Il vit forcément dans un régime où on peut s'associer. Quand les nazis disent fièrement, mais nous, on applique juste les lois de la nature, qui sont impitoyables, bien entendu, on écrase les faibles, etc. Ils ne connaissent pas la loi de la jungle. La compétition et l'agression, c'est à peu près, allez, 15-20%, maximum 20% des interactions qu'il y a dans une jungle. L'avenir sera biomimétique ou ne sera pas. Enfin, je veux dire, il y a des lois, une logique du vivant que nous ne respectons pas, et ceux qui ne respectent pas, bah, la sélection naturelle les élimine, tout simplement. On est obligé, et c'est pas en se mettant dans des bunkers, et c'est pas en... Bon, alors après, ça c'est un autre débat, mais... Alors vous avez une autre définition de la collapsologie, enfin, La collapsologie telle qu'elle est présentée par les médias en général, c'est « Oh là là, ils annoncent la fin du monde ». Ils sont très pessimistes, ils annoncent la fin du monde. Or, tel que je les connais, ils disent plutôt « On va vers des échéances très difficiles, c'est absolument stupide et inutile de se fermer les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, c'est vrai que on pourrait aller plutôt du côté de Jancovici, par exemple. Hein, Jancovici qui a fait cette... qui est un peu le... Il se fait remarquer parce que c'est le nucléaire vert. C'est celui qui dit il n'y a pas de... Comme James Lovelock, celui de la théorie Gaïa. La théorie Gaïa, moi quand j'interviewais James Lovelock, il m'avait dit il n'y a qu'une seule solution, parce qu'il y a un tsunami épouvantable qui arrive... Enfin, il ne disait pas tsunami à l'époque, on disait, je ne sais plus comment, il y a un raz-de-marée qui arrive et qui s'appelle le réchauffement climatique. C'est urgentissime d'arrêter ça, et il n'y a qu'une solution, c'est le nucléaire. C'est ce savant anglais. Alors évidemment, le nucléaire, ça pose plein de problèmes, de déchets radioactifs, etc. Malheureusement, ça sera les générations futures qui devront se démerder avec ça. Pour le moment, nous, si on ne... Alors bon, ça c'est un nucléaire vert, et Jancovici en est un aussi. On le voit beaucoup, enfin on l'a vu, puis là on le revoit beaucoup en ce moment sur les grandes chaînes. Ce que disent les collapsos, là où Gauthier m'a fait un peu de la peine, Gauthier Chapelle, parce qu'il me dit, il fait ce livre magnifique sur le biomimétisme. Le biomimétisme, ça veut dire que on a été très très arrogants, mais bêtement, mais comme des élèves de maternelle qui se croient au niveau du docteur, du doctorat. Je me rappelle... d'interview que j'ai faite quand j'étais à Libé encore, d'industriels. Je me rappelle, c'était des industriels du chocolat ou des trucs comme ça qui disaient « La nature a été une bonne base de départ. » La nature a été une bonne base de départ. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se figurait les choses. Oui, la nature, c'est... Mais nous, on est tellement plus sophistiqués. Ce qui est ridicule, parce que prenez les techniques dont rêve Elon Musk aujourd'hui, mais c'est de l'enfantillage à côté de la sophistication de la nature. La nature est infiniment plus... Et ça, on est obligé de peu à peu de l'admettre. Et Gauthier Chapelle, lui, il était presque le porte-parole en France d'un groupe de femmes mené par Janine Binius aux États-Unis. Qui ont lancé le mouvement Biomimicry, biomimétisme, et qui disent mais il faut être humblement à l'écoute de la nature à tous les niveaux. Elle nous montre les formes, elle nous montre les matériaux, elle nous montre les processus, elle nous montre les stratégies, elle nous montre la philosophie dans laquelle il faut Évoluer, bâtir nos activités, nos industries, etc. Avec des exemples énormes qu'on connaît. Une des choses qui pollue pas mal, qui dégage beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup d'énergie et qui balance des milliards de tonnes de CO2, c'est la fabrication du ciment. Le ciment. Mais on a besoin de ciment. Comment faire, comment bâtir tout le monde. Personne, tout le monde est impliqué. Enfin, je veux dire, il y a
0,0001% de l'humanité qui n'utilise pas du tout de ciment. Je pense que même dans les bidonvilles, si on peut avoir un peu de ciment, on se bâtit avec quatre parpaings un morceau de mur. Eh bien, le ciment, il y a des coquillages qui fabriquent des céramiques beaucoup plus costauds que le ciment. Elles le font à température ambiante, c'est-à-dire sans monter à 1500 degrés. Et non seulement elles ne dégagent pas de CO2, mais elles l'absorbent pour fabriquer du calcaire. Et donc, ces femmes, c'est des femmes, enfin peu importe, on va me dire, ah, ça c'est sexiste, il se trouve que c'est des femmes, mais bon. En gros, elles vont voir les industriels du ciment en disant, ben, imitez un peu les coquillages, enfin certains coquillages. Et il y a partout dans le monde des laboratoires qui essaient de comprendre comment font les coquillages pour fabriquer des matériaux à structure fractale, c'est-à-dire qu'un choc ne fissure pas, parce que ça, le choc est amorti, dans ces conditions-là. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. Et donc, les collapsologues, là où il m'a fait un peu de la peine, Gauthier Chapelle, c'est qu'il avait monté une boîte en Belgique pour faire ce boulot, de convaincre les industriels de devenir biomimétiques. Et puis, à un moment donné, les résultats étaient tellement minces qu'il a abandonné et il a rejoint Pablo Servigne et Stephen Loreis, Raphaël Stevens, pardon, qui avait écrit « Comment tout peut s'effondrer ». Mais je trouve qu'il a eu, une bonne influence, puisqu'ils ont écrit « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Parce que ce que disent les collapsologues, c'est ça. Les collapsologues disent « Attendez, on marche sur la tête ». Parce que quand les nazis disent fièrement « Mais nous, on applique juste les lois de la nature, qui sont impitoyables, bien entendu, on écrase les faibles, etc. », ils ne connaissent pas la loi de la jungle, ils ne la connaissent pas. Et même les néolibéraux, ultra-néolibéraux qui disent bah, « Écoutez, c'est la nature, hein, c'est la nature, la jungle, la compétition, c'est comme ça. » Mais non, pas du tout, pas du tout. La compétition et l'agression, c'est à peu près, allez, 15-20%, maximum 20% des interactions qu'il y a dans une jungle. 80-85% des interactions, c'est de la coopération, c'est de la symbiose, c'est du commensalisme, c'est de la collaboration. C'est de la collaboration. Le réel, la nature, la jungle, quand on dit « Ah, c'est la loi de la jungle », eh bien ouais, étudiez-la, la jungle. Et si vous étudiez la jungle, vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous croyez et que la jungle que vous prétendez représenter, c'est une construction idéologique. Elle est coupée du réel et elle nous met dans le mur. Il faut imiter la vraie jungle. Il faut imiter la vraie jungle. Et c'est ça que disent les collapsologues. Alors, évidemment, ils ont quand même pris le mot collapso, qui est fort, pour alerter. Et quelque part, ça se retourne un peu contre eux. Parce qu'on ne voit pas qu'ils sont très constructifs et qu'ils disent, Moi, quand je les ai rencontrés la première fois, je leur dis, mais attendez, mais les gars, mais vous faites des enfants Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier, ils ont tous deux enfants. Je leur dis, alors qu'est-ce que tu dis à tes enfants si la fin du monde est pour tout de suite? Ils m'ont dit, mais c'est juste le contraire, les enfants. Alors les enfants, ils m'ont dit, les enfants savent très bien. Les enfants sont beaucoup plus lucides que ce qu'on croit. Et nous essayons de les rapprocher le plus possible de ce qui reste de nature. D'une certaine façon, c'est comme s'il y avait eu une solution de continuité, on dit en mathématiques, c'est-à-dire en fait un gouffre. Un gouffre entre tout ce que je vous ai raconté là et puis tout d'un coup la situation aujourd'hui. C'est-à-dire que tout d'un coup, des craintes épouvantables se confirment. Mais en même temps, je vois un dynamisme dans vos générations. Enfin, je dis vos parce que
je vois les générations de mes enfants et bientôt de mes petits-enfants. Ma petite fille, la plus grande, va avoir 17 ans et elle est complètement une mutante. Enfin, je veux dire, le nombre d'initiatives qu'il y a, y compris dans la presse d'ailleurs, votre journal le démontre, il y a un rebond. Il y a bel et bien un rebond et je suis moins pessimiste que je l'aurais été il y a encore quelques années. Alors, c'est vrai que le rapport du GIEC, bah, il confirme. J'ai croisé François Hollande parce qu'il signait son livre et je lui dis alors, on va vers des régimes autoritaires, ça va, qui est un peu une obsession chez moi, on va vers des régimes autoritaires puisque c'est tellement épouvantable. Comment... Et il me dit une chose pas bête, il me dit c'est à craindre et en même temps ce n'est pas la solution. En même temps, il faut bien comprendre que ce n'est pas la solution. Alors d'abord, il y a des régimes autoritaires carrément anti-écolo. On l'a vu en Russie, on l'a vu au Brésil, et en Chine, ils se débattent comme ils peuvent. Mais surtout, le homo ecologicus que nous attendons, ça ne peut pas être un être soumis. Il est forcément libre. Il est forcément... Donc il vit forcément dans une démocratie, il vit forcément dans un régime où on peut s'associer. Et ce que disent mes potes collapsologues, c'est ne s'en sortiront, à supposer qu'il y a des tempêtes peut-être beaucoup plus importantes que ce qu'on a vu pour le moment. Parce que même le Covid, tout ça, et les feux et l'eau qui manque, c'est peut-être juste un début, ne s'en sortiront que ceux qui sont inscrits dans des réseaux de solidarité. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on dit oui, non, mais les riches, ils se construisent déjà des bunkers en Nouvelle-Zélande ou près du cercle polaire, je ne sais quoi. À court terme, ben oui, bien entendu. Bien entendu qu'à court terme, les favorisés seront favorisés et que les défavorisés morfleront plus que la moyenne. Mais visons le moyen terme, visons le long terme, ayons une vision de ce que l'humanité peut devenir. Et là, il est évident que c'est des réseaux, c'est des gens qui ont une force intérieure. Ça est... La façon dont la méditation, par exemple, s'est répandue. Alors, je connais des gens qui disent « Oui, mais la méditation, maintenant, c'est devenu le truc pour se relaxer, pour mieux aller travailler. » Pourquoi pas ? Mais il n'empêche que c'est un début de la méditation, c'est-à-dire de s'apercevoir qu'on a une intériorité et que la résilience dont on parlait, elle s'appuie sur quelque chose, oui. Est-ce qu'on parlerait plutôt de connexion, alors ? De connexion par rapport de connexion avec soi-même. De connexion avec soi-même. On a vécu dans une société tellement extraordinaire, ne soyons pas négatifs, extraordinaire. On a inventé des trucs fabuleux. On va sur la Lune et puis on est tous branchés sur Internet. Internet, c'était impensable quand j'étais jeune. C'était impensable. Maintenant, pour vous, c'est complètement naturel, mais c'est... Mais on est extérieur, on est arraché à nous-mêmes, tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes. Et puis nous, on a connu, enfin moi, toi, je ne sais pas, mais moi, j'ai connu la bascule entre l'avant-Internet et l'après-Internet. Oui. Et le monde a fait un revirement et est allé très vite. C'est allé très, très, très vite. C'est vrai que ça s'accélère. De toute façon, c'est un mouvement, et c'est ça que je raconte dans mon dernier livre, qui s'appelle « Noosphère ». C'est qu'il y a des gens qui ont vu ça déjà il y a un siècle, qui ont vu à quel point on est dans des processus d'accélération. Et cette accélération, elle remonte très très loin, parce que eux, ils remontent aux origines de la vie sur Terre, quand la vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vie, c'est-à-dire tout ce qui marche à l'ADN, hein, qui est quand même assez mystérieux, on ne sait pas encore exactement comment l'ADN est arrivé, mais je n'ai pas de thèse... spéciale, mais la vie, quand elle s'est emparée de cette planète,
elle l'a littéralement modelé. C'est-à-dire que la force géologique numéro un, c'est la vie, c'est l'ADN. Là, ici, on est à Paris, bassin parisien, sur plusieurs kilomètres d'épaisseur sous nos pieds, c'est de la roche sédimentaire qui a été malaxée par la vie. Et l'atmosphère, au-dessus de notre tête, c'est 21% d'oxygène. 21% d'oxygène, c'est régulé par la vie. Et on ne sait pas encore exactement comment. Vraisemblablement les bactéries, mais comment ? C'est un système en homéostasie. C'est-à-dire qu'il se régule. 21% d'oxygène, c'est absolument pas stable. Si vous allez sur Vénus, c'est de l'acide sulfurique. Ouais. Si vous allez sur Mars, c'est 95% de gaz carbonique. Ici, c'est 21% d'oxygène. La vie régule tout. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forme de vie particulière qui a encore plus accéléré les processus, qui s'appelle l'humanité. L'humanité est devenue la force géologique, ça paraît dingue, mais on est la force géologique numéro un. Alors, on s'en aperçoit pour le climat, mais on va pomper le pétrole, on ramasse les minerais qui jamais n'ont été purifiés comme ça. Nous, on ramasse et on fait des milliards de tonnes d'acier, de l'acier. Dans la nature, il n'y a pas d'acier. Dans la nature, c'est du minerai, de l'oxyde, des donc, oxydes. L'humain la modèle aussi, la nature. Nous, on modèle. On est devenu la force géologique numéro un. Donc, on a accéléré tout. Et nous vivons en ce moment même, enfin, depuis le début de la révolution industrielle, mais avec la révolution numérique, c'est encore plus. On accélère, on a le pied bloqué sur l'accélérateur à un point fou. Et il faut accélérer. Il faut aussi accélérer des processus de rééquilibrage. Accélérer. Il faut qu'on va plus vite que les processus. Il faut aller plus vite que la. Et ce qui s'appelle noosphère, qui est un terme qu'ont inventé deux grands savants au début du XXe siècle, un Français et un Russe, un Ukraino-Russe, Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky. Noosphère, ça veut dire. Noos, en grec, ça veut dire la conscience, l'esprit, la noosphère. Il faut une sphère, elle existe déjà. Internet, quelque part, ça nous relie au monde entier. On est reliés, nos consciences sont reliées, mais ça n'a pas encore pris assez de force. Nos processus, ils sont en grande partie encore inconscients. C'est-à-dire que ce que font même les puissants, on va dire non, mais les puissants, ils savent très très bien ce qu'ils font, ils le font pour leur intérêt. Pour une part, c'est vrai, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ont quand même un côté reptilien qui fait que oui, ils sont gourmands, ils veulent plus de pouvoir, etc. Mais il y a une partie de ce qu'on appelle la conscience, nos, la conscience, la sphère de conscience, elle dort encore un peu. Et donc, je dirais que ce que Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky ont vu, alors qu'ils se trouvaient dans des situations épouvantables, ce n'étaient pas des rêveurs. Pierre Teilhard de Chardin, il était brancardier dans les tranchées de 14-18 pendant toute la guerre. Et Vernadsky, il a traversé la révolution russe. Et plusieurs fois, il a failli mourir. Et c'était très, très, très violent. Donc, ce n'est pas des doux rêveurs. Ce n'est pas des bisounours. C'est des gens qui ont eu des visions que j'estime prémonitoires et qui disent, si, une conscience générale, la conscience générale de l'humanité se développe en ce moment même. Alors voilà, donc on pourrait en parler longtemps. Là, on ne parle pas d'idéologie, on parle de... Et est-ce que c'est justement cette conscience qui manque pour aussi décélérer, avoir plus conscience, effectivement, de la Terre, de la nature, etc. Alors, est-ce que vous pensez que là, on est à un point de bascule où ça peut arriver? Il faut l'espérer, d'une certaine façon, parce que quand ils font leur truc, ils disent aussi l'humanité a peut-être la possibilité, non pas d'arrêter la vie, ça c'est impossible. Alors on est, même vous faites péter toutes les bombes atomiques que vous voulez, la vie au niveau premier, celle qui a tout inventé, nos vrais ancêtres qui sont géniales, il faut les étudier, c'est fabuleux, c'est les bactéries. Les bactéries, elles ont régné sur cette planète pendant au moins 2 milliards d'années, elles étaient toutes seules, elles ont tout inventé. Mais ça, c'est beaucoup plus fort que nous. Mais on peut faire des gros dégâts à des formes élaborées. Et par exemple, nous-mêmes, on peut quelque part se suicider. Les préhistoriens disent l'humanité, à certains moments, elle a été réduite à quelques dizaines de milliers de personnes, peut-être. On peut alors imaginer une nouvelle humanité. Moi, j'ai confiance dans les nouvelles générations. Et pas que en Occident,
parce que on pourrait dire oui, mais ça c'est un propos de pays riches. Mais je suis allé, alors un peu en Afrique, enfin autrefois beaucoup en Afrique, mais je suis allé récemment en Inde et j'étais très frappé. Bon, c'était à Bangalore, qui est la ville, la Silicon Valley de l'Inde, mais c'était dans un ashram avec des gens qui venaient un peu du monde entier, sur l'idée de dialogue en humanité. C'est un terme qui a été inventé à Lyon par Patrick Vivray. Et j'étais frappé de voir le nombre de petites assos, d'un tissu de solidarité dans un pays comme l'Inde, qui pèse quand même lourd, à côté de choses très monstrueuses, de grandes injustices, un tissu d'associations très conscientes, d'écologistes, de petits paysans, de gens aussi venus des villes. Je crois qu'il y a une humanité qui, alors, c'est vrai, vous posiez la question, est-ce qu'on peut décélérer les processus mortifères en accélérant la prise de conscience. Je pense, oui, je pense certainement. Je pense que les politiques qui hurlent dès qu'on parle de décroissance voient à court terme. J'étais à Marseille, j'étais dans le Limousin, je suis à Paris, partout, toutes les boîtes cherchent à recruter. Tout le monde cherche à recruter comme si plus personne ne voulait travailler. Il y a peut-être quelque chose. C'est marrant, j'ai l'impression de revivre autrement, mais de revivre un peu les années post-68, où là, nous, on était pour le droit à la paresse, Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx. Paul Lafargue, on adorait. On adorait. Alors, est-ce que ça va revenir? Nous, on avait une chance, je pourrais terminer là-dessus, que je vous souhaite de retrouver, vous, les nouvelles générations, c'est que dans les années, au début des années 70, ne pas avoir un rond, être fauché et partir en stop, c'était bien vu. C'était à la mode, en quelque sorte. À partir des années 80, pas avoir un rond, être fauché, c'était être un loser. Et, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient. Il y a cette espèce de respiration qui fait que j'ai pas un rond, enfin j'habite en coloc naturellement, j'ai pas un rond. De toute façon, je suis devenu végétarien ou flexitarien, mais enfin, je fais très très attention à ce que je mange. Consommer, why not, mais modérément. Là où ça va être difficile, c'est de se passer de tout ce qui nous relie à Internet. Parce que ça, moi, les contestataires qui hurlaient contre Internet, je leur disais, jette-le ton portable. Ouais, mais tu mais on sait jamais. Tu es du côté des keufs ou quoi? Ça sera le plus, peut-être le plus difficile. Le plus difficile, mais de se désamorcer de ça. Beaucoup de gens travaillent avec cet outil aujourd'hui. Et on travaille avec. Ouais. Cela dit, c'est l'argent aujourd'hui qui, une valeur de l'argent qui a changé encore là, par rapport aux années 80-90. Ouais. Et alors, moi, il y a un truc qui me, alors c'était une enquête que je proposais dans les années 80, ouais, plus années 80 que 70, encore que les ancêtres sont bien plus anciens, il y avait les monnaies libres, les selles. Et les monnaies libres, c'était une perspective, c'est-à-dire dans une zone ravagée, tout le monde est au chômage, dépression, il suffit d'être 3000, il faut être à peu près 3000, et on invente une monnaie, et tout repart. Il y en a plein d'ailleurs actuellement. Des en s'appropriant la monnaie. Et maintenant, or, dans les médias, quand on parle de monnaie libre, on parle de Bitcoin, qui est l'extrême inverse. C'est une espèce de machin qui permet de spéculer. Vous allez gagner des millions de dollars. Là, j'étais entrepris par quelqu'un qui voulait absolument que j'achète des Bitcoins. On disait, vous rendez... Non, mais pas des Bitcoins, mais ce qu'il est d'autres, là. Parce que le Bitcoin. Crypto. Toutes les cryptos. Ouais. Et des gens s'imaginent que c'est ça, les monnaies libres. Et non, il faut... Non, non. Non, ça les renferme dans autre chose. Ça les renferme dans autre chose. Donc, vive les monnaies libres, vive la presse libre et les esprits libres que vous représentez. Et que vous représentez également. Vous portez très, très fort.